Moi, je trouve magnifique ce pont, il fait penser à une harpe. En fait, le pont de Térénès, c'est la véritable porte d'entrée de la presqu'île de Crozon. Alors pour nous, habitants de la presqu'île, c'est le lien qui nous rattache avec le continent. C'est aussi la promesse d'un prochain retour chez soi. Moi, arrivé ici, je sais que je suis bientôt rentré à la maison. Pour nos visiteurs, par contre, c'est le point de départ de la découverte de la presqu'île de Crozon grâce à un important réseau de sentiers côtiers et de sentiers de randonnée. La presqu'île de Crozon, c'est le territoire rêvé pour la randonnée en Bretagne. En tant que gestionnaire des espaces naturels, c'est un territoire que je connais bien. Et nous sommes ici sur un des endroits que j'affectionne tout particulièrement, avec ce paysage de falaises, de criques, de landes littorales et surtout ce vaste plan d'eau. Car la presqu'île de Crozon, c'est aussi des activités nautiques qu'on peut pratiquer sur les anses de Camaret et de Morgane. Ce qui est formidable ici, c'est qu'au milieu de cette nature sauvage, on trouve un certain nombre de vestiges d'occupation humaine. Pour un historien de formation comme moi, c'est génial. On trouve des monuments immémoriaux comme ces menhirs de la Gadjar, mais aussi un certain nombre de fortifications comme celle de Vauban. Cette tour Vauban est l'ouvrage emblématique des fortifications de la presqu'île de Crozon. C'est aussi le seul monument classé patrimoine mondial par l'UNESCO en Bretagne. Ce n'est pas un patrimoine figé pour autant. Ainsi, au fort de Landaudec, tous les ans depuis 2000, on organise le Festival du Bout du Monde. Cela permet à 60 000 visiteurs de venir découvrir, dans une ambiance festive et conviviale, des artistes du monde entier. À propos de la presqu'île de Crozon, j'ai l'habitude de citer Anatole Lebras qui disait « Lorsqu'on pense avoir tout exploré, c'est le plus admirable, le plus saisissant qui reste à découvrir ».